Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler des phares de Berck, des différents phares qu'il y a eu. Le premier phare de Berck a été le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste où on allumait un feu. En 1836, un deuxième phare de 10 mètres a été construit à peu près à cet endroit-là. Ce phare a été opérationnel jusqu'à la construction de l'hôpital maritime, car l'hôpital maritime a masqué ce phare. Donc, en 1867, on a fait un phare de 27 mètres à côté, qui était vraiment qui le touchait. On l'appelait le fils, le père, le petit, le fils, le grand. Et ce phare de 27 mètres a été en activité jusqu'en 1944. Quand les Allemands ont quitté Berck, ce phare a été dynamité. En remplacement, nous avons eu un fanal dans le clocher de l'hôpital maritime. Et en 1951, voilà la construction de ce phare. Ce phare est maintenant automatisé. Il fait 44 mètres à une portée de 24 milles, c'est-à-dire 44 km à peu près. Donc maintenant, depuis une dizaine d'années, la maison du gardien de phare est devenue la maison du patrimoine, qui est, pour des raisons sanitaires, fermée en ce moment, mais on vous invite dès son ouverture à venir visiter notre dernière et nouvelle collection.